Bonjour, bonjour, ici Stéphane R. On se retrouve ici pour ma partie 8 de mes DVD. On continue avec ce premier DVD, c'est Open Grudge avec Robert Duvall et Kevin Costner. Un film western. Très bon scénario. On continue avec 7 ans au Tibet avec Brad Pitt. Pardon. Ah. Après, on continue avec Spearing Fail. Je suis en anglais là, j'ai du mal. Ah. Avec Pierre Bosman et Nima Nelson. Pardon. Après, on continue avec un bon film, Selon Monde, avec Tom Hanks. Ça, c'est un bon film, ça. Je vous conseille, les amis. Ça, c'est un excellent film. Après, on continue avec encore un bon thriller, les gars, avec Seven. Ça, c'est du film, ça, Seven. Je vous conseille, excellent film. On continue avec 6 jours et 7 nuits avec Harrison Ford. Ça aussi, c'est un bon film, ça. Bon film aventure. Après, on continue avec encore un chef-d'œuvre, les gars. C'est le sixième sens avec Bruce Willis. Pardon. Ça, c'est un excellent film, ça. Après, on continue avec un film d'horreur, c'est Shaun of the Dead, voilà, pas mal du tout ça, regardez, avec un espèce de, pour ouvrir là, voilà, pas mal ça, pas mal de, un bon petit film, comédie horreur un peu. C'est un peu de comédie, voilà, c'est un bon film, pas mal ça. C'est... Après, on continue avec Troman, voilà. Avec un bon petit film aussi, ça, je vous le conseille. Film français. Avec encore un film français, Le Dernier Gang, pas mal de tout aussi celui-là, je vous le conseille, film français. Après, on continue avec la Monica Bellucci dedans, Sylvia Owens, c'est Shoot and Up, un bon film d'action. Avec Mark Wahlberg, shooter tueur d'élite. Ça, c'est un excellent scénario, super bon film, ça, je vous le conseille, excellent film. Après, on continue avec un film rigolo, excellent ça, c'est Sister Ass avec Gooby Goldberg. Ça, c'est excellent, ça. Excellent comédie. Je vous le conseille. Et bien sûr, j'ai le 2. Sister Ass 2. Pareil avec Gooby Goldberg. Excellent comédie, ça. Je vous le conseille. À revoir. Après, on continue avec les Made in Black, voilà, un bon petit film, Made in Black,
Et on continue avec signe, le signe. Signe avec Meg Nixon. Bon, un bon scénario, ça, je vous le conseille. Excellent, excellent. Après, on continue avec Slash. Un bon film d'horreur, ça, Slash. Je le conseille. Bon film d'horreur. Après, on continue avec Slaving, avec encore avec Bruce Willis. Ça, c'est pas mal, ça. On continue avec un film de guerre, Les soldats du désert, avec Samuel Lidelson, Jessica Biel et l'autre, je ne sais plus c'est quoi. Voilà. Alors, un bon film de guerre, hein, je me le conseille. Ah, les films de guerre, hein, c'est toujours aussi bien. Après, un acteur que j'aime bien, c'est Kurt Russell, solidaire. Voilà. Bon film. Après, Solaris avec Georges Coulet. Solaris. Ah, par contre, celui-là, je l'ai pas vu. Après, le sommet de tout. De la peur avec Ben Affleck et Morgan Freeman. Ça, c'est un bon film, ça. Bon film. Pour continuer avec ça c'est du film, ça. 60 secondes chrono avec Nicolas Cage. Ça, c'est du film, les gars. Ça, je vous conseille. À revoir. Qui aime bien les films de caisse, ça, il faut le voir, magnifique film. Après, on continue avec Souviens-toi, l'été dernier, la trilogie, bien sûr. Ça, c'est encore un film de guerre, un film d'horreur. Bon film, ça. Après, on continue. Avec Souviens-toi, l'été dernier 2, la suite. Et Souviens-toi, l'été dernier 3. 3, quoi. Voilà. Après un coffret, c'est SOS Fantôme 1 et le 2. Voilà. Le 1 et le 2, là. SOS Fantôme, ça c'est culte. Hein. Qui n'a pas connu ces deux films. Hein. Il va y avoir le 3 bientôt. Je sais pas quand il va sortir. Mais ça c'est à revoir, au revoir. Après on continue. Avec Space Cowboy. Ça c'est du film, ça, avec beaucoup d'acteurs, avec Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, James Garner et Donald Sutherland. Ça c'est du film, ça. Ça, je vous le conseille, excellent film. Avec les Speed, ça aussi c'est excellent film avec Keanu Reeves et Sandra Bullock dedans. Ça c'est du film, ça, les gars, pareil, hein. Du classique. Après, avec Speed 2, Cruise Chrono,
comme ça, voilà, c'est le 2. Ça c'est un bon film aussi. Alors, on continue avec Sphère. Sphère avec Dustin Hoffman et Charles Stone dedans et Samuel L. Jackson. Sphère, un bon petit film. Après la trilogie Spider-Man. Voilà, Spider-Man 1. Ah, qui connaît pas les Spider-Man hein. Voilà, Spider-Man 2. Et le 3 en Blu-ray, je vous montrerai ça plus tard. Voilà, Spider-Man 2. Après on continue avec Stalingrad. Ça c'est un bijou les gars, ça c'est du film. Excellent film de guerre, Stalingrad. Ça a encore un plus, hein. Magnifique. Après avec Spy Game encore, ça c'est Spy Game avec Robert Redford et Brad Pitt. Ça c'est encore ça encore un pouce. Excellent film Spy Game. Après Stargate, la porte des étoiles avec qui est dedans, je crois c'est Kurt Russell, pardon, encore mon acteur, j'aime bien. Voilà, ça c'est encore un bon film, ça les gars. Excellent film. Il y a la série aussi, hein. Je sais pas, je suis pas trop la série. Mais voilà, peut-être une fois, je serai DVD ou Libre. Enfin, je la retrouve. Après, on continue avec Starkey Hutch. Ah ça c'est un navet, ça j'ai pas aimé. Même j'aime bien Ben Stiller, mais je préfère largement la série. Voilà, ça c'est. J'aime pas. Voilà. Chacun ses avis. Après on continue, ami. Hein. Star Wars, la menace fantôme des Star Wars. Voilà. Star Wars 1. Star Wars, l'attaque, Star Wars 2, l'attaque des clones. Voilà. Après Star Wars 3, la revanche des Sith. Voilà. Il connaît pas les Star Wars. Hein. Après, il y a les anciens. Après, Star Wars 4, un nouveau espoir. Star Wars 5, l'Empire contre-attaque. Après c'est Star Wars 6, le retour du Jedi. Et alors bientôt, je sais plus quand va sortir. L'année prochaine ou dans 2 ans, il y aura le tout nouveau. Hein. J'ai vu ça sur Actu Ciné. Voilà, ça c'est cool. Hein. À revoir ça. Star Wars, j'adore. Après on continue avec un film avec le soleil là. Voilà. Pas mal de ça. Après Superman Returns. Voilà. Après SWAT avec Samuel L. Jackson, Colin Farrell et Michel Rodriguez. Voilà. SWAT pas mal ça. Après on continue avec Sword of Honor. Ça j'ai pas vu ça avec Daniel Craig, ça j'ai pas vu encore un film de guerre que j'ai pas vu.
Je sais pas comment il est celui-là. Après, Sirina, pareil, je l'ai pas vu avec George Clooney. Matt Damon, j'ai pas vu encore ça. Voilà, là, je l'ai pas vu encore ce film. Je sais pas comment il est. J'avais tellement des films que j'ai pas vu encore. Après, à part ça, celui-là, je l'ai vu Taxi Driver avec Robert De Niro. Ça, c'est encore un chef-d'œuvre, hein, ça. Ça, à revoir, à revoir, à revoir, à revoir. C'est un chef-d'œuvre, ce film. Je vous le conseille. Taxi Driver, qui connaît pas Taxi Driver. Voilà, ça, c'est un bon film. Après, le Terminal, ça c'est pas mal ça. Avec Tom Hanks et Katrina Zeta-Jones, ça c'est pas mal ça. Un film d'amour, pas mal ça. À revoir, à revoir, à revoir. Un bon petit film, le Terminal. Voilà. Après, on continue avec Terreur sur la ligne. Terreur sur la ligne. Un film... C'est un thriller ça, ou un film d'horreur, je sais plus. Voilà. Ça c'est pas mal. Après avec... Oula, j'ai du mal à lire ça. Ça j'ai pas vu encore. Je sais pas qu'est-ce que c'est. La Daniel Day-Lewis, Oscar du meilleur acteur. Mais je vois pas ce que c'est comme film ça. Avec une boîte, regardez la boîte, comment il est. Voilà. Je sais pas comment il est celui-là. Voilà. J'ai pas vu encore. Après on continue. 13 jours. 13 jours, voilà. Avec Kevin Costner, 13 jours. Pas mal ça. Culte, un Top Gun, qui connaît pas Tom Cruise, ça c'est qui connaît pas Tom Gun, ça c'est un culte, c'est classique. Après Transformers, voilà, le tout premier Transformers avec Shia LaBeouf, et elle a aussi la belle fille, c'est qui? C'est, je sais plus c'est qui la belle fille. Megafox, voilà. Voilà, un Transformers, il va avoir le 4 bientôt. Ce sera Mark Goldberg qui va faire l'autre film, quoi. On verra comment il est. Voilà, Transformers, c'est un bon film. Belle trilogie. Et j'ai les autres en Blu-ray, les autres. Là, encore une trilogie, j'adore, les transporteurs avec Jason Statham. Ça c'est du bon film ça. Après le transporteur 2. Voilà. Et j'ai le 3 en Blu-ray. Après Traki avec Tony et Daniel Jones avec Bon Kiko Del Toro. Voilà. Ça c'est un bon film ça. Excellent film ça. J'adore en plus l'acteur dans le personnage du méchant. Voilà. J'adore. Excellent. Avec un bon film 30 jours de nuit. 30 jours de nuit, ça c'est avec une belle pochette, regardez, un beau fourreau. Ça c'est à revoir, à revoir les amis, ça c'est un bon petit film. Après deux films, les films
deux films comédies, très à la douzaine, très à la douzaine, ça c'est pas mal. Je vous le conseille. Après 13 à la douzaine 2. Après 13 fantômes. Pas mal ça aussi. Après on continue avec 3h10 pour Yuma. Voilà, pas mal de tubes aussi ça. Après 3. Bon, ça, je l'ai pas revu encore celui-là. Là, j'ai pas revu encore avec Tommy Lee Jones. J'ai pas revu. Après The Truman Show avec Jim Carrey. Jim Carrey, j'adore cet acteur aussi, comédien. Comédie, pardon. Ça c'est des films à revoir, à revoir. Après on continue avec Twister, un bon film catastrophe, des tornades, tout ça. Bon film catastrophe. Continue avec Two Force the Money, voilà. Pas mal du tout. Avec U571, Oscar de meilleur effet secondaire, fait avec un sous-marin. Je l'ai pas vu encore. Après, ah ça aussi j'adore ça, les Underworld, voilà le tout premier. Après Underworld Révolution, Underworld 2 Évolution, pardon. Voilà. Et j'ai le 3 en Blu-ray. Après UCL Suspense. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau les amis. Un bon film de. Voilà. Ça je vous le conseille ça. Après La vie est belle, ça c'est pas mal aussi ça. Après Une vie. Achevé, ça je l'ai pas vu encore. Je l'ai pas vu. Après 28 jours plus tard, ça c'est bon ça. Je vous le conseille. C'est bon. Après, c'est 28 semaines plus tard. C'est la suite en fait. Voilà. Après Les Visiteurs, après ça c'est rigolo ça. Les Visiteurs, voilà, film français. Après Les Visiteurs, Les Couleurs du Temps, Les Visiteurs 2, pardon. Voilà. Après Les Visiteurs en Amérique, ça c'est pas mal ça. Quand c'est un peu un remake, mais en façon. Même pas une semaine, c'est pas une suite. Hein. Voilà. Après Le Vol du Phénix, voilà, ça j'ai pas vu encore. Après La Voix des Morts, ça j'ai vu, ça c'est excellent, excellent. Après La Voix des Morts. De La Lumière, voilà. Après
Mécano, ça c'est encore un bon film avec Tommy Lee Jones. Film catastrophe. Volcano, là, je vous le conseille, excellent, excellent, excellent film. Après, vous avez un message, ça c'est pas mal, belle comédie. Belle comédie, voilà, je vous le conseille avec Tom Hanks. Avec Voyage au bout de l'enfer, film de guerre, j'ai pas vu, avec Robert De Niro, il est jeune, hein. Il est jeune, quelle année celui-là, de 78, il est jeune, hein. Après, on continue avec Wall Street. Il y a le 2, mais j'ai le 2, mais en Blu-ray. Avec là, c'est Michael Douglas qui est dedans. Un bon film encore, j'adore, avec Kevin Costner. Waterworld. Excusez-moi pour mon anglais. Voilà, un bon film, ça. L'homme poisson. Après Wild West avec Will Smith, pas mal du tout ça aussi. Après un film de guerre, One Black Wiki, voilà. Oh, l'anglais, hein, j'ai du mal, hein, excusez-moi. Voilà, film de guerre. Par contre, là, je l'ai pas vu encore. C'est une erreur de le film de Kevin Costner, de. Je sais pas, de Nicolas Cage que j'ai pas vu, ça j'ai pas vu. Après Willow, ça c'est pas mal ça. Willow. Après la trilogie X-Men. Voilà. Un beau coffret. Trilogie X-Men, regardez. Avec X-Men 1, voilà. Le 2. Et le 3. Là, je vais vous montrer le... les 3 DVD. Là. Alors, les 3 DVD. Voilà, les X-Men, regardez. Et bien à l'arrière. Voilà. 3 DVD là. Allez, magnifique. J'adore l'image de la saga. Avec les X-Men. Il va y avoir le nouveau là aussi. Là j'ai les autres avec l'origine de Wolverine, tout ça, je lisais en Blu-ray. Je vous montrerai ça plus tard. Après on continue avec Triple X. Triple X avec Vin Diesel. Ça aussi c'est du bon film. Il va avoir un 3 bientôt aussi. Triple X The Next Level, là c'est Ice Cube qui est l'acteur principal, quoi. Ouais. Après il va essayer du dernier avec World Trade Center, il y a l'histoire des deux tours, et du dernier c'est Zodiac, celui-là je l'ai pas vu encore. Zodiac, j'ai pas vu. Voilà, c'est le dernier de mes DVD. Après, il n'y aura plus de. Après, je vous montrerai les Blu-ray après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner des commentaires, à mettre des j'aime, des. Voilà quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vais faire un petit. Voilà. Petit ensemble de mes DVD. Voilà. Et encore beaucoup de DVD, hein, c'est la dernière partie. Après.
après, je vais vous dire combien, à vous de trouver combien j'ai de DVD, combien de DVD que j'ai, de toutes mes vidéos, de mes 8 parties, combien j'ai de DVD. Après, je vous dirai ça, la réponse de l'autre vidéo, la partie 1 de mes Blu-ray. Voilà. Il y a beaucoup de films. Hein. Voilà. Et en ce moment, je joue au jeu là. Team McRae, le 5. Ouais. En fait, c'est le début. Hein. C'est un peu comme le commencement, quoi. Voilà. Moi, je vous dis à au revoir. Et à plus. Au revoir.